Salut tout le monde, c'est Wanyeji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir deux coffrets, avec un coffret La Voix du Maître, on fait l'arène de Greenbury aujourd'hui. Donc on avait déjà ouvert l'arène de Motorbuy pour cette série 3.5 si je dis pas de bêtises. Et un coffret toujours La Voix du Maître, cette fois-ci édition spéciale Rosemary. Donc vraiment centré autour de Rosemary et de son Morpeko et ses types ténèbres. Donc voilà, ce coffret était un peu plus compliqué à obtenir, hein. On a galéré à le trouver. Après je sais pas si dans le commerce il était... Bah non, avec le confinement et tout, je pense que c'est la galère en ce moment pour se procurer des cartes Pokémon. Il n'y a que en ligne. Ouais. Donc je pense que ouais, dans tous les cas ce coffret c'est galère. En tout cas ces coffrets sont sublimes, ils sont tous brillants. Et vraiment c'est intéressant d'avoir fait toutes les arènes comme ça, essayer de représenter un peu avec les Pokémon emblématiques de l'épée et bouclier. Après bon, la série elle a rien de particulier par rapport à une série classique, c'est juste qu'il y a moins de cartes. Ouais. Mais c'est pas la folie non plus. Oh, il y a un poster. Ah ouais? Oui, il y a un poster. Alors attendez, je l'ai ouvert à l'envers, c'est pas grave. Il y a un poster à l'intérieur. Oh, vous allez rien voir. Si, peut-être, non. Je vous le montre, je vais le faire défiler. Donc on a Angoliath avec Rosemary, d'accord, en mini-jupe. Donc avec son Morpeko à côté, type ténèbres. Hein. Voilà, donc elle a l'air super déterminée. On voit que c'est pendant le combat, les combats finaux pour la Ligue Pokémon. Ok. Bah, c'est sympa quand même d'avoir fait ce petit item. Ils nous surprennent un peu. Donc là, le petit pins de Morpeko et à l'intérieur deux cartes promo. Donc on va voir tout ça. Donc le Morpeko, très sympa, hein, Morpeko. Avec ses petites dents là, ce petit hamster souris. Hop, il ira rejoindre ma collection de pins. Ouais, hop. Et donc les cartes promo, c'est bien aussi. Ils les protègent de mieux en mieux, nos cartes promo, pour pas les abîmer. Ils ont arrêté de les serrer avec le plastique pour pas les abîmer. Donc on a la carte de Morpeko qui est la SWSH056 et la carte d'Angoliath qui est la SWSH057. Donc voilà, je vais vous les remontrer chacune leur tour. Morpeko et le Angoliath. Je préfère quand même le Morpeko plus lumineux. Donc je les mets de côté, je vous les remontre hop, à la fin de la vidéo pour la récap. Et donc on a le Angoliath V en carte jumbo. Donc voilà, carte énorme. Qui ira dans la collection d'Anuri. Hop, donc on a 5 boosters dans ce coffret. Hop, on va virer le plastique. 50 000 plastiques maintenant. Hop. Donc on a le booster de Charmeleon Gigamax. On en a combien? 3. Un booster de Ixon et un booster de Torgamore Gigamax. Donc ça nous fait bien 5 boosters. Et on va faire comme ça. Hop. On va ouvrir d'abord le booster de Ixon. Hop. Et c'est parti. En 5 boosters, on peut espérer au moins une ultra, ce serait bien. Et sinon, on va essayer de compléter un maximum la collection. Et c'est parti. Donc, hop, on va zoomer un peu. Alors, Goupilou. Ah oui, je vous ai pas montré le symbole de la série. Donc, le voici. Goupilou, Abo, Carvana, Tilton, Goupix, Gripat en Common Reverse. Et derrière, ok, une simple rare avec Maconure. Même si elles sont holographiques dans cette série, c'est normal. Les simples rares sont holographiques. Énergie Feu. C'est Piatros, Charpe d'eau et Arbok. Ok. Allez, on est reparti sur cette fois-ci un booster Torgamore. Allez. Tac, 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 tac. Ok. Allez, deuxième booster. Potion. Goupix. C'est Piatop. Pokéball. Gripat. Derrière, Machoke en Common Reverse et Scolossandre en simple rare.
Energy Psy, Super Vol, Percy et Stun de Grid Burry qu'on va ouvrir tout après, juste après, pardon. Juste après, c'est les trois derniers boosters qui nous restent. On ouvrira la reine de Grimbury en coffret. Bon, pour l'instant, pas grand chose. Allez, on va espérer, il reste 3 boosters, c'est faisable. Allez. Abo. Aspico en pâte à modeler. Oh, Lignon de Galar, je l'avais pas encore, je crois. Bagiguan, Charby. Oh, Charby en commune reverse, juste après. Et Sorcilence en rare. Energy O, Trévis, Matchhopper. Et on termine avec Peterson. Ok, il reste 2 boosters, pour l'instant toujours rien. Hein. Malheureusement. Tu as utilisé toute ta chance avec ces petits coffrets là. Bah ouais, on dirait. Hein. C'est pas dingue en ce moment les coffrets. Bah, surtout les gros coffrets. Peut-être qu'avec le petit coffret on aura plus de chance. Donc Linéon, Bagiguan, Charby, Goupilou, Abo, Zigzaton Galar en commune reverse. Et derrière, Recherche Professorale en simple rare, même si elle est holographique. Je ne l'avais pas, je l'avais qu'en reverse. Donc ça reste cool. Énergie Feu, Chapotus, Percy et Super Vol. Ok, dernier booster de ce coffret. Ça serait bien de taper sur l'ultra. Ça rattraperait tous les boosters d'avant. Ça rendrait le coffret intéressant. Parce que pour l'instant, pas dingue du tout. Donc, Abo, Aspico, Lignon de Galar, Bagiguan, Charby. Oh, Dardarian, un peu comme une reverse. Très sympa la carte de Dardarian. Malconeur qu'on a déjà eu. Énergie Feu, Trévis, Peterson. Et on termine avec Conserve Douteuse. Donc, on n'a rien eu dans ce coffret, hein, on peut le dire. Même si j'ai complété quelques communes rares et peu communes. Donc on est parti sur l'autre coffret. Il reste que 3 boosters pour essayer d'avoir quelque chose. Ce serait bien. Je crois un peu plus au petit coffret qu'au grand. Donc c'est ce que je vous disais avec la brillance du coffret. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais le vert est vraiment très très brillant. Métallique, non? Ouais, ça fait très métallique, ouais. C'est vraiment sympa comme couleur. Donc je pense pas qu'en vidéo ça retranscrit aussi bien. Donc on a le badge plante, hein, donné par Percy dans l'arène de Grimbury. Donc il ira rejoindre le reste de mes pins. La carte promo de blanc coton avec l'holographisme, vous voyez, les petites bulles. Donc c'est la SWSH 046. Très sympa, hein, le petit champ fleur, fleuri, tout ça. Vraiment très beau. Hop, tout de suite sous protège-carte. Avec... mince, je trouve plus la carte de Morpeko et tout ça. Je les ai mis où? Je sais plus. Ah bah je sais plus où j'ai mis mes cartes promo, c'est fort ça. Bon, c'est pas grave. En attendant, je vais sortir les 3 boosters. Là j'ai dû le mettre là-bas. Ouais. Ok. Hop. Et donc 3 boosters avec 2 Ixons. Allez, la macro, voilà, 2 Ixons et un Charmy. Gigantomax, j'allais dire. Gigamax. Donc on va commencer par le booster de Charmy, et puis on va espérer quand même taper. Là, faudrait presque 2 ultras pour que ce soit rentable avec le coffret, mais bon, juste un déjà pour rentabiliser juste ce coffret, ce serait cool. Donc Machoke, Abo, Tilton, Sepiatop, Bibichute, Abo en commune reverse, et derrière, hop, Recherche Professorale, qu'on a déjà eu, Énergie Feu, Cabu, Trévis et Absol. Ok, il nous reste 2 boosters, les 2 boosters d'Ixon. Alors là, les 2, il faudrait qu'ils carburent, qu'ils donnent quelque chose. Au moins un des 2, mais les 2, ce serait nickel. Allez, une petite secrète sinon, pour taper, pour bien rattraper tout ça. On n'en a pas encore eu dans cette série. Donc, Linéon de Galar, Total Soin, Chacripant, Coconfort, Miamiasme, derrière, ouh, Zygarde en reverse, donc rare reverse, hein. Donc j'allais dire peut-être holo, mais c'est forcément une holo, mais celle-ci, je ne l'ai pas encore eu en rare. Oh yes, Corium de Galar, donc Corium c'est pareil, de Galar on s'en fiche, c'est Corium, il n'y a que à Galar qu'il existe.
V, et il est sublime. C'est la 71 sur 73, mais on dirait une arc-en-ciel presque. Tellement le fond est arc-en-ciel. Il y a plein de couleurs différentes, donc sublime. Bon, bah voilà, nickel. Le Ixon, il m'a écouté. Énergie haut, match chopper, moticyclette et hyper potion. Donc là, si le dernier tape aussi l'ultra, c'est nickel. Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave. Le petit coffret est plus rentable pour moi que les gros. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. J'ai eu autant d'ultra là que dans l'ETB et plus que dans le coffret juste avant de Rosemary qu'on a galéré à trouver. Hein, donc vous voyez, bon après c'est bien pour les cartes promo surtout. Qui coûtait cher parce que rare. Donc et au final pas rentable du tout. Donc après voilà, c'est juste une question de ratio et de chance. Hein, mais je suis plus chanceux sur les petits coffrets bizarrement. Ceux avec seulement 3 boosters. Et donc là, si on tape encore sur une ultra, eh ben on a rentabilisé nos deux coffrets. Donc Machoke, Bibichute, Total Soin, Bagiguan, Chakripan, Léopardus en peu commune reverse. Et ok, Lugarok en simple rare, c'est pas grave. Énergie électrique, Sonia, Léopardus qu'on a eu en reverse, et Sbire de la Timiale. Ok, petit récap, ça va aller super vite. On a eu, je vais pas vous remontrer les pins, mais on a eu 2 pins avec Morpeko et le badge plante de épée et bouclier. On a eu une carte jumbo avec Angoliath V, qui est la SWSH 057, comme vous pouvez le voir là. Et je peux pas trop la soulever, parce que sinon vous la voyez plus dans le champ, tellement elle est grande. Et donc au niveau des ultras, bah, on a eu Corallium de Galar V, dans le petit coffret de l'arène de Greenbury. Très sympa quand même, hein, Corallium, très beau. Et donc les cartes promo, on a eu Blancoton SWSH 046, Morpeko V SWSH 056 et Angoliath V SWSH 057. Donc ces deux-là dans le coffret de Rosemary et celle-ci avec l'ultra qu'on a obtenu dans le petit coffret Arène de Greenbury. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo un peu plus chanceuse. Allez, salut !